Bonsoir, bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne Valedictis Minecraft. Et aujourd'hui, un petit event organisé pour le fun. Et voilà, donc on a réussi à réunir une bonne dizaine de participants, ce qui est bien sympa. Et donc on va pas tarder à commencer. Donc déjà. Je galère un peu, désolé. Hop. Et je ne suis pas seul, je suis avec Gabri, Allez, salut tout le monde! Poweringo Salut tout le monde! et Efficient. Bonjour à tous! Voilà. Et on a aussi avec nous, qui va nous dire un petit coucou, Imperator qui va gérer tout le bordel. Donc salut Impé. YOLO! Voilà. Et donc, je vous propose de commencer. Donc, on va faire un petit décompte. Qui pour faire un petit décompte? À partir de 5. Je joue bien. Ok, Je fais une vas-y. 3. Je fais une 3. Tout le monde contre la porte. À partir de 5, hein. On ouvre les portes. Allez, go! Alors, la première épreuve qui consiste en un labyrinthe. Donc, tout simplement. Ils devront trouver la sortie, donc voilà, il y en a beaucoup qui sont tombés dans le premier piège à con, voilà, donc ça en fait 4. Teddy Marie est premier. Ouais, Teddy Marie qui a réussi à passer, Effie qui est juste derrière et qui le suit de près. Personne. Et le groupe de 4, donc le peloton. Hop, il commence à utiliser les souterrains parce que la deuxième partie du labyrinthe est constituée de labyrinthes qui permettent de ressortir d'un autre côté du labyrinthe. Ou Donc pas. ça peut être sympa et intéressant. Alors, il y en a toujours un là-bas qui est bloqué tout derrière. Gator, donc qui est un petit nouveau et qu'on salue. Pour l'instant, personne n'est sur la bonne Safi. voie. Fishman qui descend dans les souterrains. Ça avance. Donc je vais vous mettre une petite Je suis vidéo. tombé. Hein? Ah bon, d'accord, qu'il a réussi à sortir du terrain. C'est catastrophique. Ensuite, Ah! Teddy Marie qui a passé la deuxième épreuve et qui est Ah, arrivé au parcours de jump. Safiron a aussi fini, suit des filles, au contraire. Bon bah. Les deux qui arrivent en même temps, voilà. On va pas se faire chier là-dessus. Il y en a toujours. Oh là là, le labyrinthe. C'est vraiment un labyrinthe de la mort celui-là. On a passé beaucoup de temps à le faire. Plutôt amusant, on a 5-6 personnes bloquées dans le labyrinthe. D'accord, il faudrait redonner du stuff à Killer, il a perdu en étant. Alors dans le labyrinthe, il reste TA et je crois que c'est tout. Et Dark Et Antman. zut. Ils sont encore trois, je crois. Alors désolé si vous ressentez un Ah petit peu oui. de frise sur la Ah, vidéo. attendez. Il faudrait Hein? que je fasse un tout petit nettoyage. TA, elle est presque. Ah Par oui, contre, il a trouvé. et surtout, il faudrait que j'arrête de gigoter. Ah, t'as Guigatière ici. Elle est sortie du labyrinthe, enfin. Donc il reste Hein? juste Dark Antman qui est encore dans le Et. labyrinthe. Donc dites-vous qu'il reste encore une bonne moitié au niveau de Ouais. temps. Alors, on a dit combien de temps? 15 minutes pour les plus rapides. Oui. Est-ce qu'on va commencer à faciliter un peu le truc? Non. Parce que, oui, c'est Faut vrai qu'à laisser un chaque peu de fois, chaque. ils arrivent collés au bloc. Donc. Allez, je lance un sondage. Alors, ils veulent qu'on mette un bacon, mais ça serait vraiment trop abusé, ils y reviennent trop facilement. Ouais. Donc, je vais rajouter des dalles, j'ai rajouté une dalle. Donc, s'ils sont courts. Non, ah, non, pas Ok. non. Ok. Oui, oui, donc c'est mitigé. On continue comme ça, donc 3 Alors, non. Ah là, non, pas 2 non. y a Killer Des qui est juste oui. devant Saphiron. Ils arrivent en haut du grand saut. Voir qu'il aurait Ok, pas trop sauté. c'est. On va voir. Ah, Ah. ils veulent pas, donc tant pis. Alors, il y a Teddy Marie aussi qui est maintenant. Alors, ils osent pas trop sauter, ils préfèrent rester bloqués ici, donc. Ah, Teddy Marie vient juste de se Un truc louper pas avant grave. le grand saut. Saphiron aussi. Attention, est-ce que Killer va y arriver? Il y a Dark Antman qui va peut-être sortir du labyrinthe. Ah, il est à la sortie. Ah. Il a réussi. Le dernier. Donc maintenant, il n'y a plus personne dans le labyrinthe. Ouais. Il me semble que c'est ça, ouais. Ah, Alors, Killer! Killer est rendu au grand saut. Alors, Killer, regarde la flèche. Ah,
Je pense qu'ils sont sur Teddy Marie. Teddy Marie aussi killer. Teddy Marie est killer. Ah, il fait qu'il vient de se péter la tronche. Ah bon bah. C'est un saut compliqué. J'ai hein, pas compris parce qu'il est quand même atterri à 4-5 blocs. Faut vraiment sauter au dernier moment. Ah. Ouais, c'est vraiment compliqué. C'est... Hein. Pendant les tests, j'ai pas réussi plus de 3 fois, je crois. Ah, il se pas. Oh, qu'il est Killer a réussi la jump. Alors c'est pas mal, c'est un début. Fish qui l'observe. Fish oh, sa fille. Attention, attention. C'est pas le moment de se rater, Killer. Ah, Killer et Saphiron, ils ont tous les deux réussi. Et où? Allez, maintenant c'est le moment de se concentrer. Dernière ligne droite, c'est peut-être plus facile, mais ça reste une horreur. Surtout que s'ils retombent, ils doivent recommencer depuis le début. Alors il y a Fishman qui est spectateur de la scène là. Ah non, dommage, Saphiron. Ah, dommage. Fish, je sais pas ce qu'il veut. J'imagine même pas le stress que ressent Killer déjà que je stresse rien qu'à le regarder. Donc... Fishman qui est pas d'accord pour Killer, qui veut le faire dégager. Fishman qui n'est pas cardiaque. Mais tort. Allez, juste à ta gauche. Il opte vraiment pour les chemins les plus courts. Hein. Il prend vraiment son temps pour chaque saut. Alors on va voir du côté de ceux qui commencent et qui bloquent toujours au départ. Ah, je crois qu'il est. Je ne me sens pas visé. Alors hop, on observe un peu efficace. Ah, qui vient de passer les piliers très rapidement. Ah, dommage. Oh non. On aurait pu avoir une suite, non. Bon, c'est officiel, les canards n'ont pas d'ailes, enfin ne volent pas bien. Donc, qu'ils en ont, mais... Bah, ils sont plus à l'aise dans l'eau, tu vois. C'est pas plutôt juste celui-là qui ne sait pas voler. Bah, écoute, c'est probable. 4 sur la plateforme. Pas droit. YOLO. Oh, un de qui a raté. Allez, il y en a peut-être un qui va y arriver dans le tas quand même. Pour son premier essai, Kaiser a failli arriver. Et de deux. Sa fille qui attend que tout le monde se rate. Kirsup. Oh, oh bah. Il reste plus que sa fille. Et qui est. on va suivre quelqu'un. On va suivre. Théa The Geeket. Dommage. Qui vient de se louper. Par deux. Allez, ça va commencer à être l'autre. Arriver sur l'autre. Oh, oh non. C'est dommage. Ah ouais. Oh, magnifique Kaiser qui jusque. Ah oh non, dommage. Alors on l'a senti rager parce qu'il a donné des petits coups dans le vide. Attention, sa fille, il lui reste plus qu'un bloc. Sa fille. Oh. Il a réussi. Ouais. Oui. Et sa fille qui arrive. Alors c'était chiant, non? Non, c'est difficile surtout. C'est l'épreuve de jump. Je peux pas dire chiant parce que quand c'est chiant, c'est lorsque tout est fait comme un moyen de salaud pour t'avoir, mais là c'est faisable. Dommage. On n'avait pas prévu le coup. À la base, je prévoyais de le faire plus long, le parcours de jump. Ah, ouais, qu'est-ce que t'as trouvé le plus dur dans les épreuves Le plus dur. Ouais. Je pourrais dire le saut, mais plus, je dirais plutôt une partie du saut, c'est le. C'est après le saut de l'ange là où tu atterris sur un cube. À un moment, tu es sur un escalier, tu dois te sauter sur un autre. Pour moi, c'était le pire endroit. C'était le plus dur pour moi. Et quand je l'ai passé, je sais pas pourquoi, je me disais que je pouvais plus tomber. Juste comme ça, on est à 50 minutes d'enregistrement. Bah écoute, c'est ça les événements surveillés. Hein. J'avais tenté de record les derniers, mais bon, flemme monumentale de le monter. Le dernier, le premier c'était 1 minute 30, le deuxième 2 heures. T'es dit. Allez. T'es dit. Ah. Wouhou. Ça y est, il est passé. C'est fou. Ça arrive une fois toutes les 1000 lunes. On a un gagnant. Enfin, un gagnant, non. On a Kenga qui est arrivé à la 4e épreuve. Il y a soit une rose. Alors, et puis, on va. Pour l'occasion, on aurait dû demander à rajouter des points. Sur c'est bad. Et on a un troisième pour cette partie de la map. Oh mon dieu, putain, ça y est. Peut-être que tu vas comprendre quelque chose avant Teddy. Allez, écarte-toi. 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 Sors du champ.
Merci. Ah, t'es un gamin. C'est faux. Dans le champ. Bon, merci. Ah, merde, j'aurais dû sauter du podium au moment où donc tu vous, prenais. Vous voulez que je vous mette le fly, histoire que vous pouvez regarder les autres galérer. Pourquoi pas, oui. Ok. Ok. Un P là. Un P là. Au milieu, là. On a le... et Gab, on va le foutre... Là. Un topiqueur. Oh, ma place. Oh, oui, ma place. Oui. Non, mais mec, mets-toi juste... non, mets-toi à mi-hauteur, franchement. Vas-y, mets-toi un petit peu dans le sol, tu vois. C'est fun. Voilà. Et t'as mis des trucs dans les dispensers, là, du coup. Oui, il te faut un truc à lancer, attends. Un truc qui se presque bas. Juste qu'il faut. Non, mais prends ça, qui se presque bas. Connard. Génie. Oups. 3, 2, 1. Mec, ne bouge pas ta vue. Allez, on refait un test. Mets-toi là ce que tu vas prendre la vue. Voilà, comme ça. Ah, ça a marché. J'en ai pris 3 des screens, quoi. Ouais, mais il y a Teddy qui a bougé. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. C'est bon, c'est bon.